Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, déjà pour commencer, de produits que j'ai reçus du laboratoire Silicium. Alors, pour commencer, j'ai reçu ce produit comme ceci. Alors, c'est un gel de silicium, le G5 gel. Alors, dedans, il y a du silicium organique, de la vitamine E. Ce gel, du coup, est très 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 bien pour vous. Il vous permet de soulager vos articulations si vous avez des problèmes d'arthrose, d'arthrite. Voilà. Le silicium aide beaucoup. Si vous avez des cicatrices sur le corps ou vous avez besoin d'unifier votre visage, vous avez des taches sur le visage pour les rides, etc. C'est parfait également. Donc c'est bon pour les articulations et la peau sans aucun problème. Je vais vous montrer une routine que je fais avec. Ce gel est vraiment très très bien. Ça soulage les douleurs. Moi, j'ai de l'arthrose au niveau des épaules, des coudes, des cervicales. Et franchement, j'attendais quelques temps pour vous donner un petit peu mon avis, pour avoir un peu de recul sur ce produit, parce que je ne vais pas vous présenter un produit si je l'aime pas ou si ça fonctionne pas. Mais franchement, au niveau de mes douleurs, ça fonctionne. C'est un tube de 150 ml, c'est quand même un très bon contenant, vous en avez pour un petit moment, et franchement, c'est top. J'ai également... Je l'ai posé où? Voilà, j'ai perdu tous mes produits. Voilà. Alors, également, du même laboratoire, on a ceci. Voilà. Alors, c'est du collagène peptide en poudre. Ça fait 330 grammes. Et vous pouvez... alors, c'est un complément alimentaire, parfum vanille. Vous pouvez le mélanger... je voulais vous dire... Donc, moi, je le mets dans mes yaourts. Je mets une petite cuillère dans mon yaourt nature. J'ai testé aussi dans ma pâte à crêpes. Une fois que j'ai fait ma pâte à crêpes, je mets 2 cuillères dans ma pâte à crêpes. Ça me fait du collagène en plus et du silicium en plus dans ma recette. Vous pouvez mettre ça dans un gâteau. Vous pouvez... Bon, c'est goût vanille. Donc, voilà. Vous pouvez mettre ça dans ce que vous voulez. Mais comme c'est à la vanille, dans des choses... sucré, bien sûr. Alors, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour les os, ça apporte ça booste le collagène. Donc, ça, c'est top. C'est un complément alimentaire qui va améliorer votre quotidien. Franchement, moi qui ai des problèmes avec les chutes de cheveux, des problèmes avec mes cheveux, j'ai une peau aussi mature, j'ai 52 ans. Donc, ça, c'est un complément alimentaire qui ne fait que m'apporter du plus, quoi, par rapport à ce que je mange. Voilà, ça apporte de la vitamine C, de la biotine, de l'acide hyaluronique, du collagène peptide. Et du Living Silica. Donc ça, c'est top. Franchement, je vous le recommande. Moi, je trouve que ça me fait du bien. Je trouve que mes cheveux vont mieux. C'est quand même important. Et pour les articulations, là, on aborde la saison humide, fraîche. Les personnes qui ont des douleurs comme moi articulaires, c'est pas la meilleure saison. Donc ça, c'est top. Voilà, je finis la parenthèse. En tout cas, ça, je vous le recommande. Si vous avez des soucis comme moi, testez. Et moi, j'ai testé et approuvé. Voilà. Voilà pour cette petite parenthèse, les choupies. Revenons à nos moutons. On est là pour unboxer. Non, pas unboxer, mais pour faire un retour de course chez Noz, bien sûr. J'ai trouvé quelques petits make-up de chez Noz, à petit prix, bien sûr. Je fais une petite parenthèse quand même. Ne vous inquiétez pas, je ne stocke pas des produits make-up comme ça. Voilà, j'adore ça. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je suis accro au make-up, aux produits d'hygiène, de soins, tout ce qu'on veut, voilà, machin. Mais je voulais quand même préciser
que je donne également à ma fille. Hier, elle est passée, elle a emmené du make-up, des rouges à lèvres, elle a emmené des lotions, elle a emmené du gel douche, elle a emmené mon petit panier que j'ai acheté dans ma dernière vidéo chez Nose. Oh la vilaine, je lui ai laissé. Donc voilà. Je ne suis pas voilà, quelqu'un qui va acheter et stocker pour rien. Non, 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 non. J'utilise et je fais plaisir à d'autres personnes également. Voilà. Je ferme la parenthèse. On y va. Trêve de blabla, là, je suis en train de vous saouler, je crois, avec tout ce que je vous raconte. Alors, première chose, hop, j'ai une robe comme ça, en petit lainage fin, beige. Je vais essayer de redescendre un petit peu. Voilà. Col en V. Je vais vous mettre une petite vidéo là, ici, pour vous que vous la voyez en entier. Cette robe, je vous mettrai le prix également sur la vidéo. Cette robe, je l'ai achetée à Nose. Elle est top. J'adore. Franchement, pépite. Pépite encore une fois. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Allez, premier article. Comme ceci. C'est la marque Astra et c'est un highlighter. Hop. Et j'en ai mis partout. Pourquoi? Parce que je l'ai testé. Voilà. Un peu effet marbré comme ça. Il fait. C'est rose quartz. La couleur 01. C'est made in Italy. Ça fait 8 grammes. Et c'est au prix de 1,75 €. Alors bien sûr. Comme d'habitude, si je vous trouve le produit avec le prix réel, je vous mettrai sur la vidéo. Donc, comme ceci. Voilà. Très joli. Je vais tester. Voilà. Rose. Ils disent rose quartz. Moi, je verrais plutôt ça doré, mais c'est très léger. On ne voit pas grand-chose, hein. Là et là, j'en ai mis, voyez, et il va partir puisque ma fille louchait dessus, donc voilà, je ne le garde pas vers moi. Ensuite, ce produit comme ceci, toujours, c'est que des produits de la marque Astra. C'est une bébé crème 90% d'origine naturelle. C'est un tube de 30 ml. Un tube comme ceci, flacon pompe, enfin tube pompe, au prix de 1,99 €. Et c'est assez soutenu comme couleur, mais je me dis que pour l'hiver, ça passe. Donc je l'ai testé, c'est celui que j'ai sur moi. Et j'aime bien la texture parce qu'elle n'est pas trop épaisse. Et du coup, bah, ça me va. Ça me va, c'est parfait. C'est validé, c'est top. Ensuite. Ceci, c'est un highlighter teinté. Alors, c'est marqué illuminante crème. C'est la teinte 01 romantique rose. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, c'est tout. C'est un 30 ml au prix de 1,75 €. Donc là, c'est un highlighter crème et rosé. C'est un tube comme ça. Hop. Celui-ci, je le garde. Voilà, très joli. Là, ça j'aime bien. Joli glow. Franchement, validé. Pour moi, je sens que ça va être top. Ensuite, trois fards crème. Alors, le premier comme ceci, une teinte un petit peu marronnée, comme ça, au prix de 99 centimes d'euros. Voilà, c'est un fard comme ça. Hop. Métallique, voyez, mordoré, je dirais, ouais, très joli, j'adore, j'adore ces matières-là. On l'a également en abricoté, comme ça, cuivré, on va dire, voyez. Comme ça. Voilà,
C'est celui que je porte. Voilà. Et une teinte un petit peu argentée, je dirais. Alors, on va mettre là. Argentée avec des reflets parma, on dirait. Comme ça. Là. J'aime bien. J'aime bien ces matières-là. Franchement, vous mettez deux petits coups sur la paupière, vous prenez un pinceau plat, langue de chat, vous estompez un petit peu au niveau de l'arcade et tout. Franchement, vous restez un petit peu comme ça, le temps que ça sèche un peu pour pas que ça aille dans les plis. Franchement, ça c'est top. Un coup de mascara, hop, voyez. Pour moi, ça c'est top. Si vous voulez un maquillage simple, rapide, ces produits-là, c'est top. Et ça tient très très bien. Ensuite, j'ai trouvé toujours de la même marque. Hein, ceci, c'est un peu saumonné. C'est un fard à paupières comme ça. Effet crayon jumbo un peu. C'est très clair. Hein, c'est saumonné doré un peu. Hop, au prix de 1,25 €. Comme ceci. C'est vraiment très très clair. Hein. Voilà. Ça fait crème. Mais au niveau teinte, c'est vraiment très léger. Je dirais même pour mettre en haut de l'arcade et tout. Parce que franchement, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Ou alors c'est vraiment pour un make-up, no make-up, très nude, très 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 soft. Ensuite, un jumbo pour les lèvres, comme ceci. La teinte, voilà. Alors, c'est un corail très pailleté. C'était donc un crayon à lèvres jumbo lipstick au prix de 99 centimes d'euros. Je suis en train de regarder s'il y a un numéro de teinte. 25. Qui se présente comme ceci. Et qui est superbe. Il a un effet métallique, voilà, cherchez, voilà, voyez, très joli, ça c'est top, ça pareil, facile d'utilisation, il n'y a rien à dire. Ensuite, une bébé crème comme ceci, donc la teinte, c'était emballé sous blister. Alors c'est My Bébé Crème, 80% d'origine naturelle. C'est un 30 et belle au prix d'un euro 99 et c'est une teinte quand même foncée. Je pense que je vais la donner à ma fille. Hop. Ouais. Elle va aller pour ma fille. Ouais. Ça lui conviendra mieux. Elle a un teint de... Enfin, ma fille est métisse, donc ça sera métisse clair, mais voilà, ça sera plus adapté pour elle. Ensuite, des vernis. Des vernis super jolis. Alors, celui-ci, déjà, pour commencer, cette teinte comme ça. C'est la teinte. Est-ce qu'il y a un numéro? Alors, c'est à 75 centimes d'euros. C'est un 12 ml. Et c'est la teinte 56. C'est un rose un peu terracotta. Ouais. C'est ce que j'ai là. Bon, mes ongles sont tout courts. J'ai tout cassé. Mais je me suis dit, bon, allez, je teste. Franchement, très facile à mettre. Sèche très vite. Franchement. Top pour le prix, mais c'est top. Cette couleur, elle est sympa pour l'automne. Ensuite, un marron, mais à reflets. Je sais, voilà. Est-ce que vous allez voir? Vous avez vu les reflets? Superbe, magnifique. Un rose, comme ceci, foncé, passe-partout aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Et un nude, comme ceci. Voilà.
très jolis aussi. Pour le prix, franchement, foncez si vous les trouvez dans votre nose. Ensuite, un spray fixateur pour le visage, comme ceci. Ça sert toujours à 1,99 € et ça fait qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, d'accord. Alors, ça fixe le maquillage, ça fait office de tonique et de primer. C'est un 3 en 1. Ah, ben j'avais même pas vu. Et au niveau contenant, c'est un 50 ml. Pas mal. Et au niveau brume? Oh, pas mal. Bon, l'odeur, rien de particulier. Bien, à tester. Ça, c'est chouette. J'avais même pas vu que c'était un 3 en 1. Ensuite, des rouges à lèvres. Alors, ceux-là, j'en ai trouvé 3. Alors, c'est des lacs à lèvres sans transfert. Là, c'est la teinte 4, 08, 08. Comme ceci. Oups. Il est orangé, un peu holographique. Oh, il est corail soutenu. Il est très, très beau. Regardez. Waouh. Très joli. Et il est sans transfert. Vous avez la teinte 06, comme ceci. Un rose. Un rose nude, hein, comme ça. Waouh, très joli. Ils sentent bon, parce que ça, c'est important. Vous voyez? Ça, c'est top. Vous savez, moi, je porte toujours des masques à mon travail. Du coup, les sans transfert me sont très utiles. Et celui-ci, avec des reflets aussi, très joli. C'est un rose plus soutenu. Alors, je vais le mettre. C'est un lit de vin. Comme j'appelle ça. Comme ça. Voilà. Trois teintes bien différentes. Au milieu, vous avez le jumbo à lèvres. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix, je ne sais plus. 99 centimes d'euros. Et ensuite, trois rouges. Alors, je vais enlever l'étiquette là. Alors, ils sont à 1,50 euros. Ils s'ouvrent comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Et comme ceci, c'est des raisins comme ça, donc c'est un rose nude. Et au milieu, vous avez un cœur, enfin un cœur. Le milieu est d'une autre teinte. Magnifique, ils sont superbes. Franchement, ils sont superbes. Ils sont ultra crémeux. Voilà, comme ceci. Splendide, franchement, j'adore. Vous avez une teinte comme ceci. Alors, celui-là, je suis désolée, je l'ai ratatiné. Le raisin, il a pris cher. Il est marron avec du beige au milieu. Alors, il est magnifique. Dommage, pauvre petit rouge. Comme ceci. Superbe aussi. Et le dernier. Hop. Comme ceci. Et là, c'est un prune avec du rouge au milieu. J'ai plus de place. Ils sont superbes. Franchement. Ah, mais là, ceux-là sont top, hein. Comme ceci. Voilà. Marron, prune et plus rose, bois de rose, comme ça. Eh ben, je suis magnifique comme ça. On ne change rien. Plus les étiquettes. Tout est parfait. Voilà les choupies. J'ai fait le tour de cette marque Astra, de cet arrivage italien. Hein, je crois, il me semble que c'est une marque italienne. En tout cas, bah, encore une fois, je suis amoureuse de mes achats de nose, comme d'habitude. Je vais pouvoir tester tout ça, partager ma petite trouvaille avec ma fille, puisqu'elle a déjà louché sur quelques produits, donc il n'y a pas de souci.
Si vous passez par là, que vous n'êtes pas encore abonné, mes choupis, abonnez-vous, aidez-moi, j'ai besoin de progresser, je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés, il faut que j'y arrive assez rapidement. J'aimerais beaucoup, beaucoup avancer, progresser sur ma chaîne. Likez ma vidéo si ça vous a plu, mettez-moi un petit commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec très, très, très grand plaisir. Merci déjà à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie énormément de votre soutien. Je vous dis à bientôt, passez un bon dimanche. Bye bye. Ciao, ciao, les choupis. Je ne sais plus parler. Bye bye.